ensuite, normalement, on a des blocs derrière qui vont... merde. Crudy, non. C'est ça. Alors. Hop. Derrière, normalement, il y a... ça, là. Et ça, là. Là, c'est vrai que c'est un squelette. Hein. Vous dites, mais c'est quoi ce vaisseau? C'est super bizarre. C'est super bizarre. Normalement, j'ai foutu un bloc là. J'ai foutu ça là, moi. J'ai foutu ça. Ok. Hop. Moi, je crois que c'est bon là. On est bon là. C'est bien ça. Normalement, ça fait ça et ça fait ça comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre foutre les moteurs en dessous. Je me disais, c'est pas cinématique. Si c'est pas cinématique, c'est pas normal. Hop. Et ensuite, on peut mettre ça. Comme ça. Et... comme ça. Est-ce que j'ai tout... alors, il y a un moteur là, moteur là. Il me manque des moteurs. Il me manque des moteurs. C'est les moteurs d'en dessous qui me manquent. Et normalement, les moteurs d'en dessous, ils font comme les autres. Ils vont là. Ok. Il me faut des tuyaux. Tuyaux. Non, non. Voilà. C'est bien ça, hein. Ça va bien, il va bien là celui-là. Hein. Non, il va pas là. Si, il va là. Non, il va pas là. Attendez, je me rappelle plus. C'est quoi ce bordel là? Je me suis trompé quelque part. Non, je me suis pas trompé quelque part. Ah, ah mince, ah oui, en fait si, non, si je me suis gouré quelque part. Je me suis gouré. Ils vont bien là eux. C'est que j'ai fait une connerie. C'est pas bon, c'est pas bon. Attendez. Est-ce que j'ai mis tous les moteurs? Ils sont tous en bas, ils sont tous en haut. Ok, c'est bon. Par contre, il faut que je retire ces trucs maintenant. Ah zut. Démontage. Je me suis gouré avec ça, moi. Je me dis. Hop. Toi, tu vires. Et toi, tu vires. C'est parce que j'avais mis ça en plus. À la base. C'est pour ça. C'est pour ça que niveau distance, ça m'allait pas. Par contre, le montage, je vais tout faire ça hors caméra parce que ça va prendre du temps. Hein, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Bon, après, les composants, je les ai tous. C'est juste des allers-retours qui vont prendre du temps à faire. Voilà, on est bon. Voilà, oui, voilà, là c'est mieux. Là, ça ressemble à quelque chose, quoi. Et normalement, si ce truc est là comme ça, on a ça comme ça, et on a ça là, ça, ça va là, on a ça qui va là, ça qui va là, ça qui va là, ça qui va là, hop, hop, hop. Normalement j'ai un... alors ici on va avoir ça comme ça. C'est bien ça. C'est bien ça. On va avoir un truc comme ça. Hop.
Et bah, le problème c'est que normalement j'en ai un qui va là et ensuite l'autre qui va là. Donc lui il faudra que je le retire. Et là je vais avoir le gyroscope qui va aller ici et je n'ai plus d'énergie. C'est magnifique. Donc, le gyroscope va aller là. Et on va faire ça. On va faire ça. Et là ensuite ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça. Faut pas que je ferme là, sinon j'aurai pas accès au gyroscope. Enfin, pour le forger. J'aimerais bien trouver un bloc. Il est où? Mince, je l'ai pas mis. Attendez. Je suis peut-être bigleux aussi. Ah bah non, il est pas là. Il me faut ce bloc. Si, merci. Et là, j'ai fait un peu d'arrondi, comme ça. Hop. Hop. Il y en aura un troisième là. Je vais mettre du courant. Du jus s'il vous plaît, du jus. Ah, du jus, je suis bloqué. C'est dommage que ça prenne. J'aimerais bien souder avec vous tous les blocs et vous voyez que petit à petit il se construit tout le tralala. Mais ça me prendrait 6 épisodes pour le finir. Et ce serait assez chiant. Que poser les blocs encore c'est assez rapide. Bon là c'est sûr que le squelette c'est à quoi ça ressemble ce truc. Ça ressemble mec. Par contre on peut toujours souder les blocs en acier hein, vite fait. Après les blocs plus complexes je le ferai pas parce que bon voilà. On va faire l'arrière tiens. L'arrière qui est cool. C'est un sûr c'est un ils font des blocs pour reproductibilité mais il faudrait qu'ils fassent un truc pour accélérer pour le mec je sais pas un chalumeau de la mort qui tue qui soude tout hein. Ce serait magnifique allez le prochain épisode je sais pas encore ce qu'on va faire je pense qu'on va faire un peu on va aménager un peu la salle la salle de contrôle, je pensais le faire caméra mais j'ai envie de le faire avec vous, mettre les lampes. On va mettre les. Enfin on va faire les grandes portes du hangar. Il y aura juste à souder, hein. J'ai déjà fait tous les composants, tout le tralala. Après on va les mettre. On va les mettre en place. On va peut-être fermer tout le côté. Maintenant que j'ai la machine, on va fermer tout le côté. Et je sais pas, je verrai. J'ai envie de faire aussi les comment ça s'appelle, les machines à oxygène pour pouvoir alimenter mon truc en oxygène. Allez. Voilà. J'ai fait plein de blocs différents, comme ça c'est pour donner du relief au vaisseau. Vous verrez avec les moteurs, avec les armures intégrées, ça passe bien. Alors j'ai fait des tests pour le connecteur et en fait maintenant les objets passent, se diffusent parce qu'avant on avait un souci, c'est que les connecteurs on pouvait le connecter avec un autre connecteur et ça rechargeait que les batteries ou ça fournissait du courant, mais ils avaient, enfin à la base c'était pour une autre façon pour pouvoir transférer des objets et tout ça. Le souci c'est qu'ils l'avaient, je sais pas, au début ils avaient, c'était opérationnel, après il y a eu des mises à jour, c'était plus opérationnel. Donc là j'ai fait un test et ça marche. J'ai fait des tests avec les objets, ça marche très très bien, donc c'est cool. Après j'ai opté pour ça, parce que je voulais pas faire un éjecteur et enfin un collecteur, parce qu'il fallait que je fasse un collecteur sur le vaisseau pour pouvoir choper tout ce qu'il faut. Allez, soude. Oui. Ok. Et je suis en train de réfléchir parce que là, il va falloir, tout le fer va dégager ici. Il va rester que de la pierre après.
Donc forcément ma base va être dedans. Après, elle va sortir, au bout d'un moment, vu qu'elle va s'agrandir, elle va sortir et tout dehors, ça sera le chantier spatial. Je vais faire des hangars pour petits, grands vaisseaux, enfin, d'ailleurs, tout ce qu'il faut dans un chantier. Je suis en train de me documenter un peu dessus, enfin, de documenter, ça n'existe pas en vrai, mais de me prendre, de choper des images pour avoir des exemples. Et j'ai pas mal d'idées, et surtout, on va s'amuser à aller construire des vaisseaux. Et j'ai un, j'ai un vaisseau que j'ai envie de faire et que je vous mettrai, que vous aussi vous y participerez, qui sera Srifandar, un vaisseau, ce sera un vaisseau de guerre. Et bah, j'en parlerai plus en détail quand, quand la base sera finie, hein. Histoire que voilà, que j'ai, en fait ce que j'ai envie de faire c'est d'avoir un emplacement genre comme un, bah, comme un chantier en fait, avec des grues dans tous les sens, et on construit le vaisseau à l'intérieur du truc. C'est cool, ça demande un bloc ces machins. Allez. C'est vrai que j'ai pas mal d'idées pour cette série. Le souci c'est que bon, ce jeu bouffe énormément de ressources. Avec mon PC qui est en train de me lâcher en ce moment, j'espère d'ici là avoir un nouvel ordinateur. Parce que j'ai envie de... En fait ça coûte une blinde. Donc, moi j'ai envie de, là, c'est en ce moment... Enfin ce que j'ai envie de faire c'est investir vraiment dans un ordinateur qui va durer. Donc un ordinateur gaming. Pour vous donner des... Déjà des... avoir des vidéos, des jeux qui tournent à fond. Vous donner un meilleur rendu niveau qualité, parce que j'aimerais bien passer 1080p sur toutes mes vidéos, ce que pour l'instant je peux pas faire. Enfin si, je pourrais le faire, le souci c'est que ça me prendrait énormément de temps à mettre en ligne. Enfin là bon, de toute façon je vais faire une vidéo, une petite vidéo new pour sur la chaîne, et je vous en parlerai plus en détail, hein. Je vais pas répéter tout ce que je vais vous dire là. D'ailleurs je pense qu'elle sera déjà sortie au moment où je vous parle de ça. Je suis pas sûr parce que je l'ai pas encore fait cette vidéo là, mais vu que cette c'est ce que je suis en train de tourner là, bah ça, au moment où ça sortira la semaine prochaine, à mon avis la vidéo sera déjà en, sera déjà sortie. Donc si vous, si vous écoutez ça, c'est que bah, je répète en fait. Ouais non, je me suis bourré là. Voilà. Hop. Ça c'est good, on est bon, on est bon, on est bon. Toi, faut que je te fasse aussi. Allez. Ah non, c'est le moteur ça. Désolé. Bah, attendez. Il y a un souci. Qu'est-ce que j'ai foutu ici? Merde. Ah oui, parce que ici c'est ça. Ah oui, ah oui, 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 oui. Je pense que c'est symétrie dans l'autre sens. Oh, j'ai encore tout ça comme bloc. Ah bah c'est bon, je pensais que j'en avais plus. Ok. Alors attendez. Ouais, parce que j'ai ça qui va comme ça. Voilà. Ah, ces nouveaux blocs là qu'ils ont rajouté, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Hop. Allez, allez, allez. Voilà, on en profite pour faire ça, comme ça, vite fait. Allez, qu'est-ce que je voulais faire de plus dans la base? Qu'est-ce que j'avais d'autres idées?
Ah, je sais plus ce que je voulais faire d'autre. J'allais imaginer un autre truc. Va falloir que je commence aussi à mettre des... soit des armes, surtout des tourelles. Ce que je pensais faire, c'est que le problème, c'est que ces vaisseaux-là, je peux pas mettre d'armes dessus, de tourelles, parce que les tourelles, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Ça prend 4 de largeur pour 2 de haut. C'est totalement possible que je mette ça là-dessus, parce que ça passe un peu par les portes. Peut-être ce que je pensais faire, c'est peut-être mettre des balises en fait. C'est près des astéroïdes où je vais miner régulièrement. Ça te fout une espèce de je sais pas comment on appelle ça, une tourelle. Une tourelle qui reste fixe sur place, qui me protège en cas où j'ai des pépins. Et après je puisse la bouger autre part à côté d'un autre astéroïde. Donc je pense faire ça. Un de ces quatre, je le ferai en vidéo. Ça, ça sera drôle à voir. Ah merde. Fichier. Ah, parce que j'ai plus d'une fois fallu frôler la mort. Ouais, c'est bon, on arrête là. Attendez. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça? Parce qu'on a ça qui va là. Comment j'ai foutu ça moi? Ah oui oui c'est bien ça ouais. Ouais c'était ça, hop. Et hop. Vous imaginez comment c'est long pour une vidéo de faire tout ça? Alors à deux c'est plus rapide mais... Là bon, on est en train de faire tous les blocs en acier hein, et après on passera après le reste hein, hors caméra. Donc ouais, des petites tourelles mobiles, va falloir que je fasse des munitions parce qu'à mon avis avec le puits de météore qui est dans le coin, ça va partir à une vitesse les machins. Mais ce sera intéressant de faire des armes quoi, ou même un petit vaisseau de combat. Un petit vaisseau de combat pour l'instant j'en ai pas d'utilité parce que j'ai pas d'ennemis, j'ai rien du tout, il y a même pas de mobs sur ce jeu, sur ce... ça qui est dommage, j'aimerais bien qu'ils rajoutent des mobs. J'imaginais un... vous espérez un astéroïde, en plus là-bas là, de ce côté là, là j'ai... il y a un astéroïde, je sais plus c'est où. Où est-ce que je l'ai chopé? Ah bah vous voyez les météores ils sont là, regardez. C'est ça que je me prends dans la gueule là. Espèce de... on dirait des missiles. C'est super dangereux. J'avais trouvé un... je crois que c'est là-bas, mais bon, on y va pas y aller. J'avais trouvé un espèce de petit météore. Et à l'intérieur, je suis allé visiter. Il y avait un boyau. Je pense que je vous le montrerai sur une vidéo, un de ces quatre. Et j'ai trouvé un intérieur super sympa. Donc, sur les genres de météores, il y a genre de trucs comme ça. Et bah, je sais pas, vous dites, tiens, va aller visiter. Et bon, bien sûr, vous y allez, vous avez votre arme, vous allumez les lumières, parce que maintenant c'est sombre comme ça. Et je sais pas, il pourrait y avoir un monstre à l'intérieur, plus de créatures de l'espace, ça serait intéressant quoi. Et le truc le plus marrant, ça serait, il faudrait nous faire ça, et que si on s'approche pour éliminer, le machin il nous attaque quoi. Je sais pas, faire des mobs quoi, des créatures. Parce que là, bon, parce que là c'est un peu chiant quoi. En fait c'est un peu mort, il n'y a pas de vie dans le jeu là, c'est ça qui est chiant. Je sais qu'ils avaient parlé de faire des pirates. Pourquoi pas. Bon, pour l'instant, ils n'ont toujours pas fait. Ce que j'aimerais bien qu'ils fassent aussi, comme sur Medieval Engineer, c'est pouvoir mettre des PNJ. C'est-à-dire que sur Medieval Engineer, ils ont fait des mises à jour pour pouvoir intégrer des villageois. Et leur donner des ordres pour dire, tiens, toi, tu vas faire ceci, cela, tu vas éliminer, tout ça. J'aimerais bien faire la même chose là, sur... Bon, à mon avis, bon, généralement, ce qu'il y a sur Medieval Engineer, c'est ce qu'ils intègrent aussi sur Space Engineer. Donc peut-être qu'on verra ça, un de ces quatre. Et on pourra intégrer des, dans notre base des cosmonautes. Et ça donnerait un peu plus de vie à la base. Je suis en train de voir si j'ai tout fait. Ouais, je crois que j'ai tout fait. Hein. Non, je t'ai pas fait de toi. Hop. Ça c'est bon ça? Apparemment c'est bon. Oui oui c'est bon. Apparemment ouais, c'est bon.
pourrais faire. Bon, pour... je me dis je pourrais faire les moteurs, mais je vais prendre du temps. J'ai encore tout ça ici, quoi. Allez. Ça ressemble à pas grand chose. Donc ce que je vais faire, putain, il y a des blocs partout. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une petite ellipse et bah on va se retrouver pour la fin du bah pour le vaisseau terminé hein. Après il faudra que je mette un réacteur dessus pour l'alimenter en courant, mais dans l'ensemble il est fini. Allez, on se retrouve tout de suite. Ah voilà, kadabla, et voilà. Le vaisseau est fini. Et donc, mince, c'est pas ce que je voulais faire, merci. Donc voilà, dans l'ensemble, tout est fini. Bon, ce qui manque, c'est le courant. J'avais foutu la batterie derrière, mais elle est vide. Bah, ça peut pas me connecter, forcément, puisque le connecteur ici n'est pas alimenté comme du courant. Alors, ce que j'ai mis momentanément, le temps que la batterie se charge, c'est que j'ai mis un petit réacteur dessus. Enfin, au-dessus. Que je vais alimenter en... en uranium, on va aller chercher de l'uranium. Hop. Tout, j'ai masse d'uranium, donc ça va, regardez. on va prendre... Non, ce serait que j'en prenne autant. Je peux en prendre que 10, de toute façon. Alors... Alors, j'ai regardé l'autonomie du vaisseau quand il est en route. Il y a au moins 2 heures d'autonomie en... Non, mais... quand il fonctionne, après avec les meuleuses et tout ça, il y en a un peu moins, mais bon, vu qu'il va rester dans le périmètre, de toute façon, c'est pas trop gênant. Alors, on va mettre ça là-dedans, panneau de contrôle, batterie. Ok, pour l'instant, on laisse ça comme ceci. Ok, tout est bon. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de... Donc, vous voyez les 6 réacteurs à l'arrière, j'en ai 2 de chaque côté, j'en ai 4 en haut et en bas, et 2 devant. Donc voilà le design du vaisseau, que j'aime bien, et j'ai oublié des trucs. J'ai oublié des trucs, bah comme quoi, faut faire un petit tour d'inspection pour voir si on n'a rien oublié. Hop là. Hop. Voilà, dans l'ensemble, c'est ce qui va me permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, comme ça, je pourrais faire des vidéos où on va construire. Hop. Faut que je m'amuse. Alors, on va faire ça. Non, on va faire ça déjà. Alors, attendez. Les moteurs. Hop. Hop. On va faire un groupe. Moteur, on va sauver la meuleuse 1 et 2, ouais forcément, ça je peux le retirer, on s'en fout. Connecteur, où est la soudeuse, est ici. Aider les autres, je sais pas ce que c'est. Ok, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Ouais c'est bon, donc on va faire ça. Alors groupe, hop, les moteurs en 1, allumer et désactiver, on va faire tous les blocs, le gyroscope, activer, désactiver, la batterie, on va la mettre, attendez, déjà avant de faire ça, on va mettre, non, je devrais plutôt faire ça, toi, tu vas là, désactiver le bloc, activer le bloc. Ok. Ensuite, toi, tu veux... Ah non, c'est pas ça. Si, si, non, non, c'est pas ça. Voilà, c'est là que je dois faire. Ça comme ça. En arme, ça comme ça. Groupe. On va faire ça. Désactiver les blocs. Ensuite, toi, tu vas... Là, oui, c'est bon. Désactiver le bloc. La batterie, on va mettre ça en mode... non, pour l'instant, la batterie, je vais pas la mettre, parce que je sais pas s'il faut la... Enfin, je verrai. Et après, je crois que c'est tout. Système de convoyeur, c'est pas utile. Alors, ouais.
J'avais hésité à mettre des lampes, mais je pense que je vais mettre des lumières quand même, parce que c'est assez sombre. Ça, je les mettrai beaucoup plus tard, les lampes. Normalement, hop, toi, tu vas pouvoir te connecter comme ça. Donc, bon, je rechargeais la batterie hors caméra, hein, PNC4. Voilà comment on va fonctionner. Parce que là, qu'un réacteur, je pense pas que ça, ils soient assez puissants pour... Ouais, vous voyez que je suis en surcharge, rien qu'en avançant. Donc je voulais vous la faire tester, mais... Mais je pense pas que ça soit conseillé. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui explose sur le chemin. C'est que ça va être chiant. Mais bon, on la testera. Moi, je l'ai... Enfin, je pensais que j'allais crever comme une merde. Il y a toujours le bug, je sors du cockpit, je meurs. Alors ça, c'est un truc qui me gave. Encore tout à l'heure, je suis mort, comme ça, là. Ah bah, il y avait mon cadavre là, mais il est plus là. Voilà le vaisseau dans lequel il est. Je vais mettre la batterie en mode recharge. Après, je vais retirer le réacteur. Et après, sera, bah, le vaisseau sera autonome. Ouais, ça me gêne un peu. Ouais, c'est pas... Bon, tant pis, on fait avec. Par contre... et après, bah, prochaine vidéo, on testera, voilà, on va s'amuser à souder tout ça là. De toute façon, il y a déjà tout à l'intérieur, donc ça va être rapide, mais on fera, je mettrai des composants dedans et on ira, je sais pas, j'irai poser des blocs et on ira tester ça. Comme ça, ça sera assez cool. Et après, bah, prochain épisode, comme je l'avais dit, je pense qu'on va s'amuser à mettre les lumières et les tous les postes de contrôle, on va faire la déco. Pourquoi pas faire comment ça s'appelle, finir ces portes là. Hop, vous voyez que j'ai déjà foutu tous les composants dedans. On aura pu le faire avec le vaisseau, mais bon, voilà, on ira s'amuser à souder ça. Ce que j'aimerais bien mettre en place, un système de panneaux solaires. Il est où le soleil? Il est là. Faut que je fasse un système de panneaux solaires qui va là, ou alors, vu qu'ici le fer est là, ouais, peut-être que je le ferai là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... La paroi est très fine et il suffit que je creuse un peu et je suis en travers du... Je passe à travers. Peut-être je le ferai en bas. Mais on va faire la déco. Ce sera un petit épisode, il sera pas en plusieurs parties. Hein. Ça, je pense pas que ça prendra autant de temps. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce vaisseau vous plaît. Hein, si, je mettrai, comme j'ai dit, je mettrai des lampes. Et après, pour les trucs qui se rétractent, ça, on verra ça plus tard. Enfin, c'est surtout pour le pied. C'est pas urgent, mais on verra ça plus tard. Ah, vous savez quoi? On va pas faire ça plus tard. Je vais faire une mini-ellipse, là, vu qu'il reste quoi, 2-3 minutes pour la vidéo. Je vais attendre que la batterie surcharge et on se retrouve tout de suite pour le tester. Pour le tester. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve donc, voilà, j'ai une batterie qui est finie d'être chargée, elle est au maximum. Donc là, si c'est bleu, c'est parce que la batterie est en mode recharge. Quand elle est rouge, la batterie est bien sûr déchargée. Et quand elle est verte, c'est que la batterie est en fonctionnement. Donc j'avais dû couper... Attends, mais pourquoi mon vaisseau part à Babeloed? Mon vaisseau arrête pas de se partir. Ah, il doit y avoir un objet super lourd à mon avis, attendez. Il y avait un souci là. Il arrête pas de pencher comme ça et je pense qu'il doit y avoir un truc qui fait, il doit y avoir un truc qui fasse, non, qui fasse poids, non, c'est impossible vu que il n'y a pas de gravité. Il n'arrête pas de s'envoler comme ça. Je regarde s'il est en train de bouger encore. Non, il bouge pas, c'est bizarre. Bref, on s'en fout. Alors on va aller tester ce vaisseau. Hop, alors attendez, il faut que je... Déjà, on va faire un truc. Alors, il faut que je fasse quoi? Il est où ma batterie? Où est ma batterie? Gyroscope, meuleuse, on s'en fout. Soudeuse. Je cherche la batterie, s'il vous plaît. Batterie. On va... la mettre comme ceci, là c'est bon, elle est bonne. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il y a un truc que je voulais faire d'autre, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est ça.
Alors, il me faut. Déjà, il faut que je trouve le... Ouais, ça, c'est notre grand conteneur. Alors, on va mettre dedans pour tester. On va prendre. J'ai juste besoin de plaques d'acier. Ouais, enfin, on va pas en mettre autant. Quoique. Enfin. Est-ce que si j'en prends comme ça, ça me met dedans. Ça me met pas dedans. Ouais, donc. Bon, tant pis, on met ça comme ça pour l'instant. Le conteneur est plein. Alors, on va, non, on va allumer ça, on va allumer ça, on va désactiver ça. Ça va, calme-toi. Et on décolle. J'ai dit on décolle. Allez, décolle, décolle. Ouais, faut que je me. Et hop, bah, c'est sûr que je, ouais, je me demande si je devrais pas mettre des projos. Donc on va aller tester ce moteur, enfin ce, cette soudeuse. Alors normalement, et là vous allez voir, hop, ça se met en place. Alors il y a déjà tout, il y a déjà tous les composants à l'intérieur. Et ça prend du temps. Vous voyez que tant mon temps de carburant est de 6 jours, si je l'utilise sans... bah là je touche pas au moteur, il y a juste la soudeuse qui marche. Donc c'est vrai que ça met beaucoup beaucoup de temps. Est-ce que si je me rapproche, je me colle, ça met plus, c'est plus rapide? Ah, j'ai pas l'impression que ça soit plus rapide que qu'une soudeuse normale. C'est même beaucoup plus long quoi. Ah, c'est bizarre ça. Ça devrait être beaucoup plus rapide que qu'une souder à la main. J'ai l'impression que c'est la même vitesse. Après pour transporter des objets, enfin ça veut dire, moi ça m'a évité de faire des allers-retours pour mettre des blocs, mais alors pour souder... Ah c'est en train de faire... Ah c'est en train de faire les autres trucs autour. Alors attendez, faut pas que je me rentre dedans. Là, j'ai mis des blocs ici pour faire des ormes, donc c'est pour ça que j'ai pris les plaques d'acier. Combien de temps ça met pour ça? Ah oui, ça fait plusieurs blocs en même temps. D'accord. Pour vous dire, j'ai jamais testé ces soudeuses en survie, donc c'est pour ça que je suis un peu comme ça dans le flou. Ça fait combien de blocs hein? 3 blocs d'un coup. Ah ouais, en fait, c'est plus rentable. Ah, c'est pour ça que ça met autant de temps avec les blocs d'intérieur. D'accord. Et donc... D'accord, ça ne soude plus quand c'est fini. Ah, c'est super sympa, ça. Ok. Faut surtout pas que je rentre dans les jeux, dans les trucs quoi, c'est ça. Normalement, il y a. Attendez. Il y a assez d'espace. Ouais, ça devrait aller. C'est pour ça que les bras rétractables c'est utile, mais ça va être gênant. Et après, on va dire, bon, on va dire, hop, je démonte ça. Attention. Allez. Je vais pas le démonter jusqu'au bout, mais là, c'est pas, ça marche bien. Ok, c'est cool. Donc je vais pouvoir souder tout ça, là, comme ça, tranquille. Même si ça prend du temps. Bah, ça, en fait, ça prend du temps parce qu'il fait pas qu'un seul bloc, il fait tous les blocs autour. Si je fais que celui-là, on va voir combien de blocs il fait autour. Allez, vas-y. Soude. Oh, c'est long. Voilà, il en fait deux. Il en fait que deux. Ah non, il en fait trois. Allez. Allez. Tu vas y arriver. C'est long, qu'est-ce qu'il fait là? Il continue, pourquoi il continue, je sais pas. Il en a fait combien là? Il en a fait 4. Donc je pense que ouais, ça doit marcher par...
Et là, il est en train de faire lesquelles, là? Là, il est en train de faire celle-là. Ok. Ok, bon, je rajouterai des projecteurs parce que c'est vraiment sombre. Ouais, je sais pas où je les mettrai. Ne meurs pas, s'il te plaît. Ok. Maintenant, chaque fois que je sors d'un vaisseau, j'ai peur de mourir. Ouais, peut-être que je mettrai un projecteur en dessous, peut-être deux. Je verrai. Niveau lumière. Soit je les mets là, ou soit je les mets en dessous, plus en dessous. On verra. Ouais, savoir, savoir, savoir. Mais ouais, ça marche plutôt pas mal. C'est un peu plus... Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide, mais bon. Après, il faut peut-être deux soudeuses pour que ça soit plus rapide. Enfin bref, on va cesser là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a... Qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Ok, vas-y, fais ta live. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, l'épisode en deux parties. Et on se retrouve au prochain épisode. Donc, le prochain épisode, on va faire un peu de déco intérieur. Allez, ciao tout le monde!